Et salut à tous et à toutes et bienvenue sur ce nouveau let's play sur Final Fantasy V Advance. La dernière version que j'ai trouvée de Final Fantasy V était une version sur Game Boy Advance. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont sortis par la suite. Alors je sais bien évidemment qu'il y en a une sur mobile, mais bon, c'est pas la meilleure version pour streamer, donc j'ai pris celle Game Boy Advance. Toujours une histoire de cristaux, hein, dans Final Fantasy, surtout les premiers. C'est souvent une histoire d'amnésie et de cristaux. Hein. Badass, le père, il a un dragon personnel, quoi. Oh oh, des pirates. Alors pour tous ceux qui se demandent en fait pourquoi est-ce que je rejoue à ces vieux jeux qui datent d'avant la naissance de certains d'entre vous qui regarderont la vidéo, et ben c'est tout simplement car je suis un grand fan de Final Fantasy. Et en tant que fan de Final Fantasy et de jeux vidéo en général, je m'impose le devoir de connaître le sujet sur lequel j'aime parler. Et on peut pas se prétendre fan de Final Fantasy si on ne connaît pas les anciens Final Fantasy, quoi, qui ont fait qui sont nés au début de la saga, quoi. Donc du coup je m'oblige un peu à jouer à ces vieux jeux, et c'est parfois difficile, hein, parce que maintenant on est habitué au gros triple A photoréaliste avec une jouabilité géniale. Et ça c'était on va dire des jeux vraiment minimalistes avec la jouabilité parfois très sommaire. Donc du coup c'est une épreuve parfois de jouer à ces jeux là, c'est pour ça que ça, je risque de mettre du temps à le finir, que je n'ai jamais terminé FF5 à mon grand regret. Et j'ai joué à tous les Final Fantasy, mais pour le Final Fantasy 1, 2, 3, 5 et 6, je n'ai joué que quelques heures, j'ai un peu plus joué le 6 quand même. J'ai terminé le 4 sur téléphone il y a quelques années, mais je n'ai jamais terminé les premiers Final Fantasy. J'y avais joué sur PlayStation à l'époque, c'était vraiment un remasterisé, mais même remasterisé c'était très 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 moche. Et c'était surtout en anglais, et déjà que mon anglais est moyen aujourd'hui. Alors à l'époque, je vous raconte pas comment je galérais pour comprendre le jeu, et du coup j'en ai terminé aucun. Donc c'est pour ça que maintenant, j'ai envie de refiner Final Fantasy. Je vais commencer par le 5, parce que le 5 c'est celui que je connais le moins, celui que j'ai le moins joué. J'ai joué une demi-heure sur PlayStation à l'époque. Et tout le monde me dit que le 5 est très très mauvais, et certains me disent le contraire, mais la plupart des gens me disent que le 5 est le moins bon de la saga, donc j'ai envie de me faire mon idée par moi-même. Et le fait que Barth, là, le héros du 5, quoi, et pour compagnon un petit chocobo qui se fasse battre avec nous et tout, mais moi, ça me plaît, parce que pour ceux qui jouent à Final Fantasy XIV, avec moi et qui le savent, je suis un grand fan des chocobos. Donc voilà, notre aventure est partie, donc nous accordons Barth, le héros. Alors, ma manette n'est pas super à configurer. Voilà. Le chocobo s'appelle... comment s'appelle-t-il, le chocobo? Est-il un nom ou s'appelle-t-il tout simplement chocobo?
Donc là on peut pas y aller, il y a un caillou, ben si en fait on peut y aller. D'accord. En fait si, il y a un caillou au milieu du passage, mais on peut y aller quand même, ça marche. Attends-moi ici, Boku. Alors la chevreau s'appelle Boku. D'accord. Donc on peut pas renommer Chocobo, mais à mon avis on pourra renommer le héros. Ah, graphiquement déjà, c'est pas moche. Hein. Pour de la Game Boy Advance et pour de la 2D, moi je trouve que la 2D vieillit bien de toute façon. C'est pour ça que... Il y a plus de chances de rejoindre un jeu en 2D 10 ans après sa sortie ou 20 ans après sa sortie qu'un jeu en 3D quoi. La 2D ça vieillit vachement mieux. Oula, on va comment? Attaquer. Pour l'instant, il y avait juste la touche attaquer. Système de combat très classique autour par tour, hein, à l'ancienne. Déjà graphiquement, j'ai testé vite fait Final Fantasy 1 et 2. Enfin, Final Fantasy 1. Mais comme il y a le 2 avec, mais j'ai pas de celle 2, j'ai juste celle-là. Bon. Bah, comment dire? Je vais y aller crescendo dans le rétro gaming, vous voyez. Ça, je vais commencer par le 5, parce que le 1 et le 2, ça picote vraiment les yeux et ça picote vraiment au niveau du gameplay, quoi. Ah oui, bon. Cliquez sur ajouter pour fermer cette page. Ouais, j'ai une petite page de pop-up qui s'ouvre, je suis désolé. Voilà. Je vais essayer un nom. Parce que vous dites bien qu'on pouvait renommer le héros. Donc le héros s'appelle Bart, hein, là-dessus de... Non, je l'ai fait. Ah, j'ai validé sans vouloir, putain, ma manette qui est mal configurée. Bon bah le héros s'appellera Bart, hein, c'est pas grave. J'aurais bien donné mon pseudo, mais bon. Je m'appelle souvent Nécro sur les jeux, bagarre. Ah, Léna peut pas renommer de toute façon, donc du coup, ouais, c'est... Si on peut pas renommer les autres protagonistes du jeu, c'est autant laisser le nom originel au perso principal. Ah, un autre bonhomme avec une belle barbe. Ah non, en fait il a juste une moustache, mais on dirait une barbe. Je trouve que les visages dessinés ressemblent pas spécialement au personnage, mais bon, pas très très grave. Vous voyez, quand je disais tout il y a quelques temps, c'est souvent une histoire de cristaux et d'amnésie dans Final Fantasy. Donc voilà, l'amnésie de service, c'est lui. Et toi Bart, pourquoi je viendrai avec vous? J'ai rien à foutre dans le temps de vivant ou à la base. Alors tu laisses une jeune fille que tu viens de rencontrer avec un vieux que tu viens de rencontrer.
À notre époque, ça peut sembler bizarre quand même, Bart. Le vieux, tu le connais pas, tu laisses partir avec la petite jeune. Il va se prendre un hashtag balance ton porc dans 5 minutes, le petit vieux. Elle est où là? Peut-être qu'il faut retourner joindre beaucoup. Ah, pourquoi on passe déjà? Bon, ouais, je suis déjà bloqué, c'est le début du jeu, super. Bah, graphiquement, je trouve ça vraiment pas moche. J'aime bien la patte graphique du jeu. Je trouve ça mieux que. J'adhère plus qu'à Final Fantasy 6, bizarrement. Et carrément plus que remastered FF4 un peu en fausse 3D là. J'ai vraiment pas aimé les graphismes d'FF4, pourtant j'ai adoré le jeu, hein, mais les graphismes fausse 3D j'ai vraiment pas aimé. Oh putain, déjà il nous faut déjà des. Il faut déjà des forêts noires à traverser. Hein. Non, c'est juste par le coffre, assurez-moi, c'est pas obligé d'aller par là dès le début du jeu quand même. Ah là, non, c'est juste pour un coffre. Tiens, je me casse le cul pour une queue de phénix à la con. Obligé que ça a ressuscité hein, pour les néophytes. Bon, moi, il n'y a pas de combat. Je peux, c'est pas frustrant. Je peux chercher ma direction sans me. Vous y croyez? Je suis déjà bloqué, c'est un truc de ouf! Il y a bien un petit chemin là quand même, c'est pas dingue! Au début, il est freelance, ça veut dire qu'il n'a pas de job, donc on va sûrement devoir choisir un job à un moment donné. Attendez, bah, par aller là, moi je vois pas, mais. Dès le début du jeu, il nous casse les couilles avec des mobs comme ça? Non. Non, il n'y a rien. Bah écoutez. Merde! Là, il y a un truc là! Bon bah les amis, ce fut un plaisir de streamer ce jeu avec vous. Hein, ce gaming live restera dans les annales car dès les 50 minutes de jeu je suis bloqué. Donc je vais m'arrêter là et c'est fini pour ce let's play, je ne ressortirai plus jamais ce jeu, au revoir. Non je déconne, je vais essayer de le finir, mais je suis bloqué dès le début du jeu. C'est la première fois que ça va. Ah voilà, faire passer là. Oh putain, mais. Oh là là. Ah, c'est ça qui est un peu difficile à notre époque avec ce genre de jeu, c'est qu'on est tellement habitué au beau graphisme que. Voilà quoi, ces petits détails-là on les remarque plus quoi. Dans le temps oui, mais maintenant non quoi.
Il y a de l'humour, c'est bien. Et saute, Choco, saute. Attends, je suis juste un petit freelance niveau 1, moi. Je suis pas censé veiller sur la veuve et l'orphelin. Hein. Ou le vieillard et l'orpheline, quoi. Ah non. Là il saute, mais le trou d'avant il voulait pas le sauter quoi. Franchement, graphiquement je trouve ça pas mal. Hein. J'aime bien ce genre de graphisme moi, en 2D là. C'est vraiment mieux foutu que leur version 3D mobile quoi. Oh bah salut le vieux, salut la gamine. Le chocobo il se lève du poids mais il n'y a rien. Oh lui, il va pécho, il va pécho. On va à Tulle? On va chez François Hollande? Il perd pas le nord le vieux. Balance ton porc, hashtag. Non mais oh, pas d'allusion sexuelle monsieur. Surtout si vous avez passé 35 ans. Yeah, Chocobo aussi est motivé. Ah, je croyais que le Chocobo allait se battre avec nous, mais non, en fait, c'est juste une petite monture, j'ai l'impression. Ce qui est vachement bien pour se placer sur la map, c'est le seul Final Fantasy où d'office un Chocobo pour marcher beaucoup plus vite sur la map. Et du coup, je sais pas s'il y a des combats. Enfin, du coup, il n'y a pas de combat quand tu attends Chocobo. Mais c'est vachement pratique, quoi. Là. Après, il y a une grotte, mais il faut pas aller là-bas tout de suite, là, je sais pas pourquoi, mais il a l'air de voir cette direction, je sais pas.
si, y a rien. Pourquoi est-ce qu'il regardait en ce sens-là, ce con, ce pauvre? Y a rien ici. Il y a que dalle. On fait à la grotte pour aller. Ah ouais, une grotte qui a été créée comme ça par les éboulements, d'accord. Ah, ils sont tous freelance. Ah d'accord, je pensais que le vieux allait quand même avoir... Bon, ils vont sûrement hériter de leur classe... Ils vont sûrement hériter de leur classe respective à la fin de cette grotte. Alors je sais même pas ce que j'ai comme objet au début. Bon, ça va, les ennemis font pas énormément de dégâts, le jeu a l'air assez simple au début. Oh putain, le vieillard il tape à zéro quoi. Alors, pour l'instant, au niveau du DPS, c'est parce qu'il domine. Je me dis que le vieux veut devenir moine ou un truc comme ça. Pugiliste ou moine, allez. Je pense pas qu'il y a pugiliste dans ce jeu. Ah d'accord, donc dans Final Fantasy V, quand tu te noies, tu récupères tes points de vie, c'est cool. C'est vraiment le seul Final Fantasy où je ne connais même pas les premières heures d'aventure de jeu. C'est cool, j'ai l'impression de découvrir Final Fantasy inédit. Ah, j'ai deux Final Fantasy inédits, en ce moment je joue celui-là, du coup, que je commence. Et Final Fantasy Dimension, que je joue depuis... depuis quelques... quelques mois on va dire, parce que j'ai commencé le jeu il y a à peu près à 4 mois, mais j'ai pas joué pendant 2 mois parce que du coup je suis à fond sur Final Fantasy 14. Après c'est vrai que tout découvrir de la saga Final Fantasy à l'heure actuelle, c'est compliqué parce que si il n'y a pas seulement 15 épisodes, hein. Il y a aussi tous les spin-offs, alors si vous voulez faire tous les spin-offs et tout, si vous voulez tout connaître de Final Fantasy, bah il y a du boulot quoi, il y a du boulot. Mais d'un côté, il y a plein de jeux très très intéressants. Donc plutôt que payer un jeu 70 boules, le FF15 à 70 boules par exemple, comme moi j'ai fait l'erreur d'ailleurs, faites les spin-offs avant, parce qu'il y a des milliers. Bon, le mec il est dans l'extrême quoi. Franchement ouais, il y a des dizaines de Final Fantasy qui sont mieux que sur FF15 quoi. FF15, franchement, j'étais très très déçu. Attends, la grotte a été conduite, elle a été créée par un éboulement et il y a déjà des passages secrets et tout. Waouh! Bien le vieux, c'est pas des dégâts cette fois. Maintenant ils sont freelance mais ils ont pas la même façon de se battre, c'est bizarre. Alors que tant qu'on leur a pas attribué un job, normalement ils devraient se battre de la même façon. Bon après ça se peut que le vieux n'est pas tout simplement pas d'épée sur lui, mais bon.
Ah ouais, tu m'imposes la direction si je voulais explorer avant, hein? Warning, do not enter this game if you're under 18 years old. Oula, les vilains pirates. J'adore les mimiques du personnage. En plus, le pirate, alors ce bateau est un bateau pirate. Quelle déduction, mon ami. J'ai un truc, je sais pas ce que ça a changé, mais bon, ça a changé quelque chose. Ouais, ouais, j'ai l'air d'être dans la bonne direction. Je suis le roi du monde. Le volant là, j'ai envie de dire le... Ah! Le... Ça a l'air un peu de mémoire que le nom. On va appeler ça les commandes. La barre, ah voilà, allez la barre. Absolument. Le gouvernail ici. Ah putain. Voilà, hein. Donc je trouve le gouvernail qui est aidé. Ah là, il a dit que quelqu'un avait réparé le gouvernail. C'est-à-dire que le gouvernail doit être dans une pièce. Laquelle des deux? A mon avis, il y a une petite porte qui doit ouvrir. Ouais, je vais prendre la barre. Qui s'ouvre ces coffres-là? Non.
Il faut retourner dans la grotte. De passer. Ils en poussent en fait. Du coup, je retourne en arrière. J'ai peut-être ouvert quelque chose avec le petit bouton là. Écoutez, non, je vois pas. Non, je retourne en arrière, je vais me fouiller le bateau. Enfin, c'est un peu le problème de ce genre de graphisme là, c'est que si vous manquez un petit détail, vous pouvez rester bloqué pendant des heures et des heures. J'ai mes points de vie qui sont en train de descendre dangereusement. J'espère que j'ai des potions sur moi quand même. Toucher un truc avec le bouton, mais alors je vois pas ce que ça ouvre. Ah, est-ce que ce serait un chemin ça? Non. Je vais le retoucher pour moi. Ah, mais il est là le gouvernail! Putain, mais il est là le gouvernail! Putain, c'est tellement bien dessiné, j'ai pas fait gaffe. Ah, le quatrième héros. Paris. C'est arabe ça? Putain, l'arabe c'est un virette quoi.
Ah, c'est une princesse carrément. Elle vient de dire à des pirates que c'est une princesse, mais elle a vraiment envie de... Alors elle part avec un vieux connu qui a 4 fois son âge, et maintenant elle dit à des pirates que c'est une princesse, elle veut vraiment qu'il y ait des bricoles cette gamine. Que je disais. Pirate radin, d'accord, quel rapport? Il y a de beaux cheveux, jeune homme. Ça sent la mutinerie à un moment donné. Ah, sûr qu'avoir un dragon en animal domestique, ça aide à éviter les mutineries. On va pas sauvegarder sur la map monde. Ok, d'accord. Alors dès que je sauvegarde, j'arrête cette vidéo. C'est bien pour une première vidéo, 40 minutes c'est pas mal, parce que comme je filme avec Fraps, Fraps il fait des vidéos de je sais pas combien de gigas. Alors du coup c'est long à pouvoir aller sur YouTube même avec la fibre.
Et je jouerai ce jeu de temps en temps, je pense que j'y jouerai une fois par semaine ou deux fois par semaine. Donc ça va prendre du temps pour le terminer, mais je me fixe comme objectif de finir tous les anciens Final Fantasy, donc ça prendra. Ça prendra le temps que ça prendra, surtout sur ce PC qui bug, mais je y arriverai. Là, j'aurais pu dire non, puis comme ça on aurait exploré, mais bon. Je vais pas non plus les faire à fond les Final Fantasy. Hein. Je vais les faire. Je vais vraiment faire le scénario, quoi. Allez, je vous dis à bientôt pour les suites des aventures de Bartz et la princesse Lena.